Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau tout ça, nous sommes vendredi. Alors je vais essayer de, parce que je sais pas encore, là il y a eu, aujourd'hui j'ai mis mon vlog de il y a deux jours finalement, parce que bah, comme je vous ai dit, j'avais pas eu le temps de le monter le soir, et je voulais décaler. Je pense que arrive un moment, je vais retrouver mon rythme, comme je vous ai dit dans la vidéo, hein, dans la, bon, enfin bref, je sais plus quand en fait, l'inconvénient c'est qu'à force de décaler, en fait il y a des commentaires qu'ils vont se décaler, et en fait c'est ça qui m'énerve, bah, ce qui m'énerve, pas qui m'énerve, je m'énerve pour rien, mais qui me chagrine. Oh le chat, arrête de faire la vidéo, je fais la vidéo là, tais-toi. Voilà. Ces chats. Donc j'étais en train de dire quoi? Ouais, donc les commentaires risquent de se décaler de deux jours au lieu que d'un jour. Et moi j'aime bien répondre aux commentaires le lendemain. Voilà, enfin bref. Donc je pense qu'arrive un moment, mon rythme va revenir. Et voilà. Et tout va se remettre dans l'ordre. Donc aujourd'hui, vendredi, j'avais dit vendredi créa. Alors techniquement, je vais faire un vendredi créa. Je dis techniquement, pourquoi? Parce que j'ai mon vlog, finalement, vu que j'ai pas monté mon vlog hier, bah, j'ai mon vlog à monter déjà ce matin. Donc je vais essayer d'aller assez rapide pour monter mon vlog, comme ça je vais pouvoir me lancer sur de la créa. Sinon hier j'ai reçu une ATC que je vous ai même pas montré. Je suis nul. Donc hop, thème ATC. Donc c'est la 1 sur 4. Alors c'est Maria Rossi ou Martine sur... alors c'est Martine sur Facebook. Et Maria Rossi, non, c'est Maria Rossi sur Facebook et Martine sur YouTube, si je me rappelle bien. Donc elle m'avait laissé en plus son email, mais j'abuse, j'ai même pas pris le papier. Et justement, donc elle m'a écrit un petit truc représentant tout ça. Et donc elle a fait 1 sur 4. Donc là, c'est la 1 sur 4. Et elle m'a dit qu'elle avait fait 4 cartes. Donc il y a Splatch, parce que donc il y a l'apéro, il y a Splatch, nager et s'évader. Et elle m'a marqué que apéro me représentait le mieux. Je ne pense pas. Dites-moi si vous me connaissez bien. Est-ce que apéro me ressemble mieux? Bon, en fait, je vais expliquer pourquoi apéro me ressemble pour moi pas du tout. C'est parce que déjà, hein, je ne bois pas d'apéro. Je ne bois quasiment pas. J'ai habité dans le sud, on ne boit quasiment pas d'apéro. Je veux dire, quand les invités viennent, parfois, on sort une bouteille de coca ou un truc comme ça, mais c'est très très rare. Voilà, donc je pense, dans les quatre qui me représentent le mieux, je pense que c'est nager. Parce que j'aime bien, voilà, plonger sous-marine, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, elle est très belle, hein. Regardez. Je vais les prendre, elles sont toutes là. Je sais pas combien j'en ai reçu en fait, à vrai dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. En tout cas, oui, donc je disais, elle est très belle, hein, donc 26 cartes. Mais pour moi, je trouve que l'apéro n'est pas... dans les 4, je pense que l'apéro, c'est pas celui qui me représente le plus. Ça me fait... Il faudrait que je trouve des pochettes de... Ouais, mais ça rentrera jamais, vu qu'il y en a certaines qui dépassent. Genre celle-ci, c'est laquelle? C'est celle de Céline. En plus, je l'ai reconnue parce qu'elle utilise beaucoup d'embossage blanc sur de l'aquarelle. Mais j'étais en train de me dire, mais non, c'est pas elle. Mais si, c'est elle. Dans ma tête, j'étais en train de me dire ça. Enfin bref. Voili voilou. Donc 26. Comme j'ai dit, hein, je ferai une page comme d'habitude. Bah, je ferai un album photo où je les mettrai sur ma page Facebook. Je pense que j'avais dit vers le 31, donc j'irai faire à la plage une petite séance photo avec toutes vos cartes à la plage. Je pense que voilà, ça fera bien. Allez, je me tais pour le moment, je me lance sur mon montage vidéo. Ensuite je vais essayer, si je suis assez rapide à monter mon vlog, je vais essayer de faire une page ou un truc comme ça, vu que finalement cette page là vous l'avez même pas eu en vidéo, donc je pense la refaire,
mais pas bleu, ou si bleu, mais je pense la refaire celle-ci. J'aurai une double page qui ressemble, mais au moins vous aurez la vidéo, parce que j'avais bien aimé faire la vidéo, je suis dégoûté. Attendez, non, j'étais en train de me dire, ça se trouve, j'ai même pas sorti la carte SD de la truc, et en fait c'était dessus, donc j'ai regardé quand même, non, il n'y a pas. Ça se voit que mon beau-frère est parti, hein. En fait, c'est bizarre, parce que, genre par exemple, mon beau-frère, ou ma belle-sœur, mon frère, tout ça, me regarde en vidéo, mais c'est vrai que quand il y a la personne ici, je sais pas, je suis pas gêné, mais je sais pas comment dire, en fait, c'est intimidant de filmer devant quelqu'un, en fait. J'ai l'habitude de filmer, parce qu'on me le dit souvent, ouais, mais t'es timide, ou tout ça, t'es pas timide, tu... Mais en fait, devant une vidéo, devant sa caméra, et devant, en vrai, filmer devant les gens, c'est totalement différent. Sinon, faut vraiment... genre parfois je filme dehors, mais vraiment je me déconnecte du monde, genre comme je dis souvent, j'ai un rôle, et c'est vrai que quand je vais dehors ou quand il y a du monde, je joue, on va dire, ce rôle de personne qui s'en fout de tout le monde, tout ça, mais c'est rarement le cas. Donc c'est vrai que c'est très bizarre de filmer quand il y a du monde, voilà, je sais pas, les gens me regardent bizarre. Bah, par exemple, la dernière fois qu'on est parti au cinéma, pas au cinéma, en Espagne avec mon frère et ma belle-sœur, ils me regardaient comme ça. Et en fait, c'est vrai que tu te dis, les gens doivent se dire, mais il est malade de parler tout seul devant sa caméra, tout ça. Voilà, quoi. Sinon, hier, ouais, pareil, je voulais remercier. Alors, c'est qui? Ouais. Ouais, franchement, c'est pas grave, je vais pas dire son nom, parce que voilà, enfin bref. Et en fait, j'ai reçu un courrier hier qui me disait, voilà, la personne me contait un peu sa vie, et dans une partie, elle me marquait, malgré les moments tristes, tu me redonnes le sourire, tu es mon rayon de bonne humeur de la journée. Donc c'est vrai que vous êtes beaucoup à me le marquer, ça, que voilà, j'ai même des personnes qui ont ou qui sont malades, qui sont en dépression, qui sont patati patata, et c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire ouais, je parle beaucoup déjà ce matin, ça se voit, hein, genre je suis libéré, j'ai plus personne à la maison, et en plus j'ai récupéré mon atelier, parce que faut pas dire, je reprends après, faut pas dire, mais le billard a été une bonne mais une mauvaise idée. C'est parce que, une bonne parce que voilà, on peut jouer au billard, mais une mauvaise parce que finalement c'est devenu un squattage permanent de mon atelier. Donc entre les adultes, les enfants, les femmes, tout ça, bah c'est vrai que je pouvais pas me filmer comme je filme maintenant, parce que sinon on entend tac 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 tac, ça gueulait, nanana. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée, hein, ce billard. Mais pour filmer, c'est pour ça que c'est, dans un sens, j'ai bien fait de faire une petite pause YouTube et tout ça, bah, une petite pause filmage, parce que bah, le billard, bah, nous a pris beaucoup de temps sur les deux dernières semaines, et beaucoup moins de temps sur, voilà, il y a beaucoup de bruit, voilà, enfin bref. Donc j'étais en train de dire et c'est vrai que beaucoup, ouais, parce que je change de sujet, hein, comme d'habitude, beaucoup me disent ça, et franchement ça me réchauffe le cœur. C'est un peu pour ça aussi, c'est même beaucoup pour ça que je fais les vidéos. C'est pas pour la reconnaissance, c'est pas pour, c'est vrai que voilà, comme je dis souvent, les abonnés c'est cool, voilà, mais le fait de mettre un rayon de soleil ou de mettre de la joie dans une journée de quelqu'un qui est triste, tout ça, franchement, ça me réchauffe le cœur. Voilà. Allez. Le mec, il devait parler 2 minutes, aller monter son vlog. Le mec, il a déjà parlé 9 minutes. Putain. Ça va pas, hein.
faisait très accent. J'ai fait une page. Donc j'ai fait une page à l'enregistrer. Elle est déjà en train de faire le rendu vidéo. Donc voilà. Donc oui, lunettes, ça veut dire quelque chose. J'ai une de ses coupes de cheveux. Ouais, ça veut dire ça. Ça veut dire que ma femme a débauché. Je me trouve à peu près. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je me trouvais prêt. La caméra, on va dire que c'est bon. Et donc ma femme vient de débaucher, donc ça veut dire plage. Donc déjà, une bonne chose, j'ai fait une page. Elle est en compression, deux bonnes choses. Là, je vais prendre vos ATC que j'ai reçus et je vais aller faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire la session photo en fait à la plage directement avec le sable et tout. Je pense que ça peut être sympa. J'avais fait les miennes, mes ATC vacances, je les avais fait là. J'en ai envoyé quelques-unes, à vrai dire, dans les commandes. Voilà. Allez, c'est parti pour la plage. C'est parti pour ramasser les ATC. Vous pouvez voir le magnifique bordel sous bureau. Non, j'ai pas une secrétaire sous le bureau. Ouais, c'est nul. J'avoue. J'ai des pensées malsaines. Voilà. Bon. Vos ATC sont là. En fait, à l'origine, je voulais éteindre la lumière. Voilà. Prendre les ATC. Les mettre dans mon sac de drone. Voilà. Je vais en fait arrêter de filmer. On va se retrouver à la plage. Donc là, je vais même laisser cet appareil photo là. Je vais directement filmer avec mes téléphones. Je trouve que la qualité n'est pas trop mauvaise avec le téléphone. Et ça fait, comme dirait Corinne, un peu plus discret à la plage que le mastodonte. T'entends la musique? Oui, je suis pas sourd. Question existentielle. Oui. C'est quoi ta couleur préférée? C'est Jerry Cali qui te demande c'est quoi ta couleur préférée. Je sais pas. J'en ai pas spécialement. La couleur, j'en ai pas spécialement. Si t'arrives à la trouver en magasin. Non, bah c'est vrai. Tu peux... Alors on est posé à la maison, tranquille là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé dans notre lit. Ça fait je sais même pas en plus le réveil vu qu'il a sauté ce matin, je sais même pas quelle heure elle est. Il a marqué 10h47. Ouais, 18h32. Donc on est posé tranquille, on est mort encore d'une journée à 36 degrés à l'ombre. Je tiens à préciser. Sinon vous avez peut-être vu parce que il y a un fichier sûr qui est bon sur tous les fichiers, la patrouille de France qui est passé attends, sans... c'est qu'une fois. Bah ouais, parce qu'en fait, il arrêtait pas de... Tu fais quoi, là? Ouais, t'avais un truc. D'accord. Tu veux pas m'épiler aussi pendant qu'on y est, non, je te l'ai fait il y a pas longtemps. En plus, je fais tout rouge, on a encore pris de la couleur. Hein. Donc ouais, en fait, le seul jour où je prends pas mon gros appareil photo, où je me dis que que le téléphone suffira... Ah vas-y, dans ma vidéo, dis que je t'ennuie. Mais c'est que je suis fatigué, c'est tout. Bah moi aussi, je me lève à 6h du matin et pourtant... Je me lève avant. Mais la dingue. Voilà. Donc je disais quoi? Oui, que t'as qu'un fichier sur tous les fichiers que t'as pris. Non, j'étais en train de dire oui, le que seul... t'as pris ton... Le seul jour, voilà, où je prends pas mon zoom. Ah, excuse-moi d'avoir fait à manger, moi.
Moi, je suis pas posé dans mon lit tranquille, à rien faire. Quoi? Je rigole intérieurement. Je préfère me taire, voilà. Enfin bref, tu regardes quoi? Les vlogs. Tu regardes qui? Mila Bibichou. Est-ce que vous suivez Mila Bibichou? Ouais. Peu de chance. Je suis mort. Toi aussi? Ouais. Mais bon. On va dans le spa? Ah, t'as l'air après manger. On finit maintenant? Vas-y, finis maintenant. Tchou. Tchou. T'as failli faire un doigt d'honneur! Mais non, c'est que je fais. Si, si, j'ai vu, t'as fait ça! Je suis fatiguée, je sais plus où sont mes doigts. Dans ton cul. Allez, je vais arrêter là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ils sont pas fous, mes vlogs du moment. Ouais. Oui, ton truc, il est bizarre. Regardez, elle a fait le. J'ai des taches blanches dessus. Et c'est pas normal? Bah, elle me dit que voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour garder des enfants? C'est le truc BCG, c'est ça? Non. Tétanos. Non, t'étais polio. Polio. Non, tuberculose. Tuberculose. Et vous avez vu... Ah, tu touches pas, ça gratte. Ah, mais c'est normal, ça fait des... Ça fait des points. Ça fait des points dessus. Ben non, on m'a dit qu'il faut attendre. Ça fait plein de points. Ouais. Ouais, vous êtes en mode intimité avec nous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas dormir avec nous? Je vais me transformer. On avait dit tchou. Ouais, tchou. Allez, à demain. Bonne nuit. Demain, il y a quoi? Demain, c'est mort demain. Ah si, à moins que t'aies le courage... Le courage de, vas-y. Que je t'ai demandé tout à l'heure à la plage. Tes filles, chambre, lit. Ah! Ouais, bah... Ah, donc ça veut dire que moi, demain matin, je suis obligé d'aller les acheter. Mais non, on va les chercher à 15h30. Bah non, on pourra pas. Ça rentrera pas dans la voiture. Mais les gamins, ils restent là. Et après, je monte ça. Bah après, t'en montes au moins un ou deux. D'accord. La deux. Ah, c'est vite fait à monter, je pense. Hein. Ah, mais faut vider la chambre. Mais ça, je le ferai en attendant. Bah, je le ferai l'après-midi. Bah ouais, bah faudrait savoir. Tu veux... Mais non, je le ferai en début d'après-midi, ça, vider la chambre. Il y a un gros tri à faire dans les affaires de ta fille. Ah! Tu m'as enlevé des crottes de nez là? Tiens, ta crotte de nez. Merde. Ça, c'est du vlog de ouf. Hein. Ah ouais, attention. Allez, je vais arrêter là. Donc, j'espère que ce vlog pas foufou vous aura plu. Tu mets juste un pouce bleu pour la crinière de ma femme. Ouais, crinière de lynx. Non, de lionne. Ouais, de blondasse. T'as vu comment ils blanchissent de plus en plus? Bah, ça, c'est le soleil. C'est la mer. Ouais, c'est le soleil. Ah, vas-y, mets-moi tes cheveux dans la tête, je dirais. Hein. Attends. Bonjour. Eh, mets pas des crottes de nez dans mes cheveux, sont propres. Allez. Je te dis peut-être à demain. Mais de toute façon, voilà. Hein, parce que demain, je ne sais pas comment ça va se passer. En plus, pour toi, demain, ça sera lundi, ça sera le début de journée. Donc, faut 2 semaines. Putain, je suis fatigué.